Les autorités ont confirmé que 17 des 31 passagers à bord du bateau amphibie Rise the Ducks, qui a fait naufrage dans un lac près de Branson, dans le Missouri, étaient morts jeudi soir. Ça a été une longue nuit où tout a été essayé. Gardez toutes nos familles impliquées et tous les secouristes dans vos pensées et prières. L'accident a eu lieu juste avant 19h, heure locale, jeudi, quand un énorme orage a frappé la région et provoqué des vents à 60 miles par heure et de fortes vagues. La vidéo du drame montre deux tugboats sur l'eau au moment de l'orage. L'un est amarré et en sécurité, l'autre coule, alors que des gens observent le drame depuis la rive sans pouvoir rien faire. En quelques minutes, des secouristes sont mobilisés. Un bateau a fait naufrage. Environ 30 individus sont dans l'eau. La base de l'Ouest s'est assurée d'une ambulance arrive près du bateau. Nous avons des blessés, possible CPR en cours et il y a des pontons pour que les gens sortent de l'eau. Les victimes sont âgées de 1 à 70 ans, selon le shérif, et le conducteur Robert Williams en fait partie. Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, est déterminé à trouver des réponses. Nous, en tant qu'État, ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour arriver à une conclusion sur cet incident et pour terminer l'enquête sur cette tragédie.